Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été au courant de la promesse que mon bien-aimé défunt père, l'empereur Humayun, avait faite pour toi, Nigar. Mais je te donne ma parole d'honneur que le serment que mon défunt père, l'empereur Humayun, sera certainement respecté par moi. Après tout, tu es ma sœur, et je ne veux pas qu'il y ait de guerre fratricide entre nous. Je te promets aussi que je vais retrouver la reine Chan et lui donner tout le statut auquel elle a droit. Ne prends pas ce message comme une faiblesse de ma part, mais comme un geste d'amour, sincère envers une grande sœur. Je serai dans l'attente de ta réponse, de ton frère, l'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar. Je dois bien l'admettre, Adam. C'est une lettre bien émouvante. Si le diable la lisait, il aurait été convaincu. Mais ma chère maman, si ce soldat mogol ne revient pas au camp, Jalal va deviner qu'il lui était arrivé quelque chose de louche. Ce soldat va sûrement revenir, mais pas vivant. Il sera mort, Adam. Et tu sais quoi, le jeune frère Jalal aura lui aussi un message de sa sœur, la princesse Nigar, qui lui dira la guerre. Juste la guerre. Je n'ai toujours pas reçu de réponse à ma question. Je crois que la réponse est là. Suis-je en train de voir? Ils ont tué le messager? Ceci est contre les codes de la guerre! Ceci est interdit d'après les codes de la guerre! Cela par aucune des deux parties! Il y a un message ici, mon roi! Jalal, je ne croyais vraiment pas que le fils de l'empereur Humayun puisse être un si grand poltron. Même après être arrivé sur le champ de bataille, tu cherches à t'échapper. Nous nous battrons, Jalal. Je ne te demanderai rien du tout, mais je vais arracher de toi toutes les choses auxquelles j'ai droit. La princesse Nigar. S'ils veulent une guerre à tout prix, alors ils verront une bataille vraiment fantastique! Mon roi, je vais tous les tuer. Préparez-vous pour la bataille, Akasha. Oui, mon roi. Le temps est venu. L'empereur Jalal a montré sa grandeur d'âme. Il a montré son respect à la princesse Nigar en tant que sa sœur aînée. Mais elle, elle a pris son geste généreux pour de la faiblesse. Tu as raison, reine Salima. Elle n'a aucun souci des relations du respect. Elle ne désire que le trône. Bon. Ce qui est arrivé est bien. Maintenant, Sa Majesté le Roi n'aura aucun doute dans sa tête et il n'hésitera sûrement pas à lever le glaive sur sa sœur, la princesse Nigar.
Tout-Puissant. J'ai essayé de mon mieux d'éviter cette bataille. J'ai même envoyé un message de paix à ma sœur aînée, mais le message que j'ai reçu en retour m'a fortement ébranlé. Et je n'ai plus aucune option que de livrer bataille maintenant. J'espère que tu me pardonneras, mon maître. Il n'y a plus aucune chance pour les crimes de Nigar. Elle n'a pas seulement insulté son frère, mais elle a également insulté l'empereur du sultanat moghol. Elle doit définitivement payer pour ses crimes. Oui, tu as raison. Il n'y a aucune solution pour nous que de livrer bataille maintenant. À moins que Nigar se réconcilie avec son frère et qu'elle oublie son orgueil. Toutes ces discussions ne servent plus à rien maintenant. Dans son arrogance, Nigar a commis le crime de cracher en l'air sans réfléchir. Maintenant, rien ne peut empêcher le glaire de retomber sur elle. Mes prières t'accompagnent dans cette bataille. Le Tout-Puissant est ton protecteur. Tu n'auras même pas une égratignure. Si c'est le cas, et si vous faites confiance à votre fils et à votre créateur, pourquoi avez-vous donc des larmes aux yeux, ma chère mère? Êtes-vous en train de dire adieu à votre fils qui va se battre ainsi avec des larmes? Non, Jalal. Ceci n'est pas un adieu. Je suis absolument certaine que mon fils reviendra dès ce soir victorieux de la bataille d'aujourd'hui. Oui, j'en suis sûre. Si le ciel le veut, je vous promets, ma chère mère, que je ne reviendrai qu'avec une victoire en poche. Ma reine Salima, aujourd'hui tes prières me seront vraiment très précieuses. Pas juste les miennes, votre majesté, mais les prières de tout le peuple est avec vous. Et en tant que souverain, vous n'avez plus aucune option, hormis de faire la guerre et la gagner. Allez-y, revenez-nous victorieux. J'ai prié le ciel et notre tout-puissant créateur. Du mieux que j'ai pu le faire pour toi, mon cher roi. Et je crois fermement que le Très-Haut ne nous décevra pas, ni toi ni moi, ma reine. Ce seront tes ennemis qui seront déçus, mon roi. Et tous ceux qui ont osé s'attaquer au sultanat des Moghols, qui ont pris ta générosité pour de la couardise. Vas-y, majesté, brise leur arrogance avec la lame acérée et tranchante de ton épée. Dieu t'entende. Je sais que tu auras beaucoup fait pour tenter de prévenir cette guerre. Et moi aussi. Mais maintenant qu'il y aura une guerre, je t'en fais la promesse, Reine Joda. Je te promets que je te reviendrai de cette guerre, victorieux et surtout sain et sauf. Auprès de toi, ma chère reine. Il faut absolument que vous reveniez, mon roi. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde qui vous attendra. Et aussi pour votre peuple. Dieu t'entende, qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous garde. Que Dieu te garde.
Sommes-nous fin prêts pour la bataille, Adgasha? Oui, mon roi. Donnez-nous des ordres. Nous sommes prêts pour l'attaque, Majesté. Adgasha, occupe-toi du front à l'est. Adam Khan va te soutenir. Et Munim Khan prendra le côté ouest du front. Il sera avec Mirza. Et Shah Abuddin et Farhad Khan vont venir avec moi. Mes soldats! Vous tous! Avez tout le temps constitué ma force! Vous avez toujours démontré votre grande loyauté envers le sultanat des Mogols! Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné des cœurs aussi vaillants sous mes ordres! Aujourd'hui, nous nous sommes tous réunis pour trancher sans pitié la gorge de tous nos ennemis! J'ai beaucoup fait afin d'éviter cet affrontement! Mais maintenant, si l'ennemi veut goûter à mon épée, il en sera ainsi, mes soldats! Et maintenant, je suis en guerre! Maintenant, il n'y a qu'une seule pensée dans mon esprit, un objectif et un seul but, c'est la victoire! Maintenant, nous devons juste gagner, mes soldats! Victoire! 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 Ma puissante reine, avec votre permission, pouvons-nous commencer les procédures de la cour? Je le permets. Qu'il soit présenté. Ayez pitié, ma reine! Alors, quel est donc le crime de ce brave accusé? Ma puissante reine, cet homme avait des mauvaises vues sur la femme de son bon ami. Ayez pitié, ma reine! Ayez pitié, s'il vous plaît! Où est le mal là-dedans? Il n'a fait que la regarder, n'est-ce pas? Il n'a pas touché ou violé la femme de son ami, non? Pour autant que je puisse savoir, il est innocent. Je ne peux décemment pas le punir. Vous avez très bon cœur, ma reine. Que Dieu vous bénisse, ma bonne reine. Bien sûr. Tout cela n'est pas de ta faute. Non, les vrais coupables, ce sont tes yeux. Ce sont tes yeux qui ont vu la beauté de la femme de ton ami et... Tes yeux ont créé le désir brûlant dans ton cœur pour cette femme. Alors si on doit blâmer quelqu'un, ce sont tes yeux. Dans ce cas, ce sont tes yeux qui devraient être punis. Qu'on le jette dans de l'eau bouillante et qu'il y reste jusqu'à ce que ses yeux soient bouillis et sortent définitivement de leur socle. Ayez pitié, ma reine! Ayez pitié, s'il vous plaît! Je suis un innocent! Sortez tous! Qu'as-tu, chérie? J'espère, mon cher, que je ne t'ai pas trop effrayé. Se pourrait-il que tu aies commis un crime, mon chéri, et qu'en pensant à la punition, des frissons te parcourent tout le long du corps? Non, pas du tout, ma reine. Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi, mon petit cœur.
Rappelez-vous bien d'une chose. Nous devons remporter cette bataille à tout prix. Que ce soit par là. Par la force ou par la ruse. La victoire à tout prix. Victoire! 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 Mes soldats, nous sommes peut-être moindres que nos ennemis. Mais je crois en la capacité et la bravoure de chacun des soldats du sultanat. Chacun de nos braves soldats est capable de se battre contre 100 soldats. Farad Khan, l'ennemi n'aura qu'un seul objectif. Parvenir jusqu'à l'empereur Jalaluddin, coûte que coûte. Ta responsabilité première sera donc sa protection. Il faut que tu restes près de lui à tout instant, d'accord? Tous vos ordres sont suivis, messire. Jalal! Tes stratégies sur le champ de bataille sont toujours excellentes. Mais cette fois, j'ai la réponse pour contrecarrer toutes tes bonnes tactiques. À l'attaque, tous! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque, tous! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! Nous nous trouvons à nouveau face à face, Jalal. Le temps est venu. Qu'est-ce que tu attends, dis-moi? Malgré le fait d'avoir été blessé la dernière fois, tu es revenu pour te battre contre moi.
Je t'ai épargné la dernière fois, Bulma Limé. Cette fois, je t'assure que je ne t'épargnerai pas. Pas cette fois-ci, Jalal. Cette fois, tu vas devoir payer pour la perte de mon œil gauche. Tout comme moi, j'ai souffert, il te faudra souffrir toi aussi, Jalaluddin. Ta sœur, la princesse Nigar, est une idiote. Elle a vraiment cru que ce serait facile de m'atteindre. Je me suis servi d'elle et... Vous autres, allez donc en finir avec Nigar! Je savais bien que quelqu'un était en train de manipuler ma sœur. Mais maintenant que je sais que c'est toi, je ne t'épargnerai pas! Mais avant de me tuer, sauve-toi toi-même, Jalal! C'était une ruse de ma part pour faire en sorte de t'éloigner d'Agra. Le frère et la sœur ont bien été bernés. Tu ne pourras même pas toucher un cheveu sur sa tête. Va-t'en! Allez, apportez du renfort à l'empereur. Allez, parle! Où se trouve ma sœur? Au secours! Nigar, ma sœur! Au secours! Je suis ici! Nigar, mais où es-tu donc? C'est moi, c'est Jalal, ton frère! Nigar, ma sœur! Jalal! Mais Nigar! Non, ne t'approche pas de moi! N'aie pas peur de moi, ma sœur, je suis là pour t'aider! Tu es en train de mentir! Je sais bien que tu es ici afin de m'assassiner, oui! Non, non, ma sœur! Crois-moi, je ne peux même pas songer à te nuire ou à te faire du mal. Non, ne me touche pas! Oh mon Dieu! Tu es gravement blessé! C'est vrai que tu n'es pas venu pour m'assassiner, Jalal? Pas du tout, Nigar. Je ne peux même pas penser à une chose pareille. Ne te fais plus de soucis maintenant, je suis là, tout ira pour le mieux. Viens avec moi. Oh mon Dieu. Mais j'ai commis une si grave erreur de jugement, mon frère. Le Tout-Puissant ne me le pardonnera jamais, Jalal. Nigar, nous parlerons de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous devons partir d'ici. J'ai essayé d'attaquer et d'attenter à la vie de mon cher frère. Je mérite une sentence exemplaire, Jalal. Car j'ai fait confiance à un traître comme Abul Mali au lieu de toi. J'ai cru que la reine Mahashushak avait de l'affection pour moi et qu'elle me considérait comme sa propre fille, mais en fin de compte, c'est vrai qu'une belle fille restera toujours une belle fille. Et elle s'est bien servie de moi et m'a fait me battre contre mon propre petit frère, le roi. La reine Mahashushak m'a trompée. Pardonne-moi, mon cher Jalal. Ne t'en excuse pas. C'est le devoir d'un frère de protéger sa sœur. Et je ne fais que mon devoir. Ah.
Mais tu es gravement blessé. Tu as besoin que l'on te dispense des soins immédiats. Nous devons y aller. Non, non, Jalal. Je connais un endroit où l'ennemi ne pourra jamais nous retrouver. Viens avec moi, veux-tu ? L'armée d'Abul Mali et de la reine Mahashushak nous a bloqués de tous les côtés de Jalal. Nous devons nous cacher là-bas jusqu'à ce que nous trouvions un endroit plus sûr. Avance, ma sœur. Es-tu bien certaine que cet endroit est sûr, Nigar ? Oui. Nigar, ma sœur ! Nigar, où es-tu ? Mais où es-tu ? Mais qu'est-ce que tu fais, Nigar ? Pour toi, c'est de la trahison. Mais à mes yeux, Jalal, cet acte, c'est de la ruse. C'est vraiment inutile de résister. Tu es maintenant captif de Mahashushak. Bien souvent, une toute petite blessure peut accomplir des miracles. Et parfois, on doit se résoudre à s'infliger toutes ces blessures corporelles pour se venger des blessures beaucoup plus anciennes. Pour gagner ta confiance, j'ai dû subir une toute petite douleur et quelques blessures, Jalal. Vraiment magnifique, princesse Nigar. Messire Abul Mali, n'est-ce pas lui qui est ton soi-disant beau-frère et qui, malgré ça, t'a transpercé un œil ? N'est-ce pas lui qui m'a enlevé tous mes droits impériaux et, en dépit du fait qu'il est mon frère ? Ne sois pas en colère, Jalal. Nous sommes une famille. Nous sommes tous de la même famille. Pendant un court instant, j'ai vraiment cru que je t'avais retrouvé pour de vrai. Sache que ce n'est pas aussi facile que ça, Jalal. Tu as fait une ennemie de ta sœur le jour même où tu lui as arraché tous ses droits légitimes de princesse et quand tu as emprisonné ma chère mère, la reine Shan, tu as ruiné et détruit complètement ma vie. Et en dépit de tout cela, tu t'attends à ce que je maintienne des liens fraternels avec toi ? Que je vais tout oublier ? Souvent, on ne peut guère oublier certaines choses, Jalal. Et certaines plaies ne se referment jamais. C'était mon souhait de livrer bataille contre toi et de te tuer, Jalal. Mais je n'ai pas eu la chance de le faire. C'est une grosse erreur de ta part, Nigar. Je ne t'ai pas volé tes droits légitimes, ni n'ai-je retenu ta mère en prison. Je ne savais absolument rien à propos de cette affaire. J'ai appris toute cette histoire seulement quand la reine Joda a reçu cette lettre anonyme. Et je n'ai commis aucune injustice envers toi, Nigar. Bon. Assez de mensonges. Maintenant même, toi, tu vas souffrir de la même manière que ma chère maman a souffert. Toi aussi, tu vas crier, tu vas hurler de la même manière que ma mère, elle l'a fait. Et il n'y aura personne pour écouter tes cris interminables. Maintenant, tu vas rester ici, dans cette obscurité. Quel est le besoin de faire cela, princesse ? Aujourd'hui et maintenant, je vais le libérer de ce monde. Non, non ! Pas encore. D'abord, j'ai besoin d'accomplir la promesse que j'ai faite à la reine Mahashushak. Sa mort ne devrait pas être aussi facile à bout. Une fois que Jalal sera entre tes mains, alors, je souhaite que tu le gardes vivant pendant 30 heures, ma chère enfant. Et que tu le tortures jusqu'à sa mort. D'abord, tu lui enlèveras sa couronne impériale de sa tête. Et ensuite, son armure protectrice. Et puis, tu l'écorcheras vif et lui enlèveras sa peau. Et après 30 heures de souffrance, Nigar, tu vas lui couper la tête et tu vas venir me la présenter comme un cadeau spécial. Avant de mourir, Nigar, Jalal mourra 100 fois.
Il doit te supplier à genoux, ma chère enfant, de l'achever. Mais pourquoi donc ma propre maman voudrait-elle agir ainsi envers moi? Ce pauvre empereur Jalaluddin ne... C'est pas pourquoi les gens le détestent à ce point. Mais comment le saurait-il? En te réjouissant de tes privilèges royaux, tu n'as jamais vu les larmes des autres. En chantant des cris de victoire, de conquête, tu n'as pas entendu les cris de douleur de tes proches. La reine Mahashushak a raison de le dire. C'est seulement de cette manière que tu dois mourir. À petit feu, Jalal. Messire Aboulmali, tu as entendu le vœu de la reine Mahashushak. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le tomber à genoux tout de suite. Fais-le te supplier pour ton pardon. Le très célèbre empereur d'hier doit mourir d'une mort honteuse et dégradante. Bonjour, ma reine impératrice. Sire Tudharmal, entrez, je vous prie. Sire Tudharmal, vous avez l'air vraiment perturbé. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va pour le mieux? Dites-moi, Sire Tudharmal. Pourquoi ne dites-vous rien, Sire Tudharmal? Qu'y a-t-il? Dites-nous, s'il vous plaît. Est-ce que l'empereur va bien? Je ne sais vraiment pas comment vous l'annoncer, mes reines. Mais il y a un bruit qui court. Que l'empereur a été pris par l'ennemi. Oh, maman. Je vais bien, Salima. Est-ce que cette nouvelle est vraie, Sire Tudharmal? Je ne l'ai pas vue de mes propres yeux, mais le bruit qui court est que Sa Majesté a été fait prisonnier, reine-mère. Sire Tudharmal, est-ce que vous savez seulement ce que vous dites là? Vous ne connaissez pas bien l'empereur Jalal. Personne ne peut l'emprisonner, messire. La reine Rukaya a tout à fait raison, Sire Tudharmal. Même le diable en personne n'a aucune chance contre notre empereur. Qu'est-ce que le destin cherche à nous montrer? Comment notre empereur peut-il être capturé? Ceci est impossible, messire. La princesse Nigar et Aboulmali ont capturé Sa Majesté en le piégeant. Un soldat de l'armée du roi a réussi à se sauver du milieu de la bataille et à revenir ici. C'est lui qui a apporté cette nouvelle. Qu'a-t-il révélé? Cet homme est mourant. C'était ses derniers mots, ma reine. Maintenant, il faut que je vous mette tout en sécurité. Maintenant, tout de suite. Il vous faut préparer à quitter le camp. Je vais faire des arrangements pour que vous puissiez tous fuir. Jamais! Nous ne partirons pas d'ici sans Jalal Tudharmal. Mais respectez, reine-mère. Et Sire Tudharmal, Sa Majesté a été enlevée par l'ennemi. Et nous n'avons pas encore perdu la guerre. J'ai donné naissance à un lion puissant comme Jalal. Je ne peux m'enfuir de cet endroit comme une vulgaire lâche. Allez, cherchez votre souverain maintenant. Et ne revenez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé, est-ce que c'est clair? Mais ma reine... C'est un ordre de l'impératrice de l'Empire des Mogols, Tudharmal. Allez, et retrouvez-moi mon fils Jalal. Comme vous le savez, votre premier devoir est de protéger Sa Majesté le roi. Nous sommes en train de suivre les ordres de Sa Majesté. Mais ces femmes ne sont pas en sécurité ici. Ce harem royal n'est pas un harem sans Jalal. Il deviendra un regroupement de veuves. Si l'empereur n'est pas en sécurité, le harem n'est rien. Sire Tudharmal, votre roi est entre les mains de l'ennemi et en danger. Adgasha, Shahabuddin, Adam Khan, où les officiers capables et solides doivent être à sa recherche, vous m'entendez? Apportez-lui du renfort. Ceci est mon commandement. Mais Sa Majesté... Le plus important, c'est de suivre les commandements de Sa Majesté et de lui sauver la vie, Sire Tudharmal.
D'accord, je peux patienter encore 30 heures. Après que le souhait de la reine Shushak soit accompli, je vais te tuer de mes propres mains. Puis tout ce que tu possèdes sera enfin à moi. Toi, reine royale. Tes reines et tes épouses. Tu n'as jamais été un vrai soldat à Bulmali. Tu es un lâche et un rebelle en fuite. Et toutes les femmes du harem dont tu parles sont toutes des épouses. Va, essaye un peu de les approcher pour voir. Tu n'imagines pas ce qu'il adviendra de toi, Bulmali. Bon, je le verrai bien. Combien de force ont les poignets de tes petites épouses délicates? Si je ne les prends pas par leurs jolies poignets et les traîne dans les rues d'Agra pour les humilier, je ne m'appellerai plus Bulmali. Je t'avertis, Bulmali, ce serait bien mieux pour toi de me tuer maintenant sur le champ. Parce que si j'arrive à m'en sortir plus tard, je jure que je vais te tuer, tous vous tuer. Oh. Jusqu'à ce jour, l'empereur nous a toujours protégés. Et aujourd'hui, quand sa propre vie est en danger, nous ne pouvons l'abandonner à son sort et chercher à nous abriter. On dirait que vous n'avez pas entendu Todarmal. Quand la reine mère a dit que nous ne bougerons pas de ce camp sans majesté, nous ne le ferons pas, sire. Alors vous tous, allez-y et libérez sa majesté des griffes de ses ennemis. C'est un ordre du trône impérial. Comme vous voulez, ma reine Amida. Ne vous en faites surtout pas, reine mère impératrice. Il n'arrivera rien à notre empereur. Défiez Jala, allez comme... Essayez d'écraser des petits pois en fer sous la dent. Il n'y a pas encore de glaive qui ait été créé qui puisse transpercer l'armure de sa majesté. Et aucune main n'est assez forte pour retenir notre souverain comme prisonnier. Non, il n'arrivera rien à notre Jala. Genou, Jalal! Et demande-moi donc pardon! Supplie-moi d'être clément! Jamais de la vie! Mais tu te mettras à genoux, Jalal! Essaie et frappe encore de toutes tes forces, Bulmali. Mais moi, je ne vais jamais plier le genou. Mais qui te dit que je vais déchaîner ma force sur toi? Tu sais ce que je vais faire maintenant? Je vais aller d'ici directement à ton harem, où tes magnifiques reines, voilées, se sont toutes réfugiées, sont toutes effrayées. Je vais les dévoiler chacune. Celles qu'aucun autre homme que toi n'avait vues jusqu'à présent seront touchées par des milliers de mains. Et de plus, nos soldats seront très fatigués après cette guerre. Cela leur fera un peu d'amusement. Parmi ces femmes, des milliers n'auront pas passé la nuit avec toi depuis des années. Fais ce que tu peux faire, Bulmali. Mais je ne vais jamais m'agenouiller, jamais! Ah, cet orgueil, l'arrogance. Tu m'as donné un très bon conseil. Maintenant, je vais vraiment monter une histoire. Une histoire inventée de toutes pièces et où toi, Jalal, tu me mendiais ma pitié à genoux en pleurant devant moi. Et comment, hein? Un empereur moghol m'a supplié d'avoir pitié à genoux, à mes pieds.
mais qu'il n'a pu sauver ni sa tête, ni son harem, ses femmes. Si l'empereur a réellement été capturé, il est évident que l'armée de l'ennemi va venir ici afin de nous capturer aussi. Et vous savez toutes très bien de quelle manière les reines qui ont été capturées sont traitées. Et puis, si jamais l'armée ennemie arrive ici à notre recherche, il nous faudra toutes consommer ce poison. Tiens, prends ça, ma reine Jota. Non, ma reine Rokaya, je ne vais pas boire du poison. Ma reine Jota, je t'en prie, essaie de comprendre. S'il arrive quelque chose à l'empereur, nous aurons toutes besoin d'avaler ce poison mortel. Prends-le. Reine Jota, tu ne le sais pas, mais la défaite dans une guerre est vraiment terrible. Et les femmes doivent souffrir plus encore que les soldats de l'armée, Reine Jota. Il ne va rien arriver au roi. J'en suis absolument sûre. L'empereur est bien vivant. Et son Altesse le roi reviendra certainement pour nous protéger toutes. Il ne lui est rien arrivé, ma reine Rokaya. Je sais, ma reine Jota, que tu es sous l'effet du choc. Tu ne peux pas supporter la nouvelle que l'empereur ait été capturé, c'est pour ça que... Non, ma reine Rokaya, je suis sûre qu'il va bien. Je suis absolument certaine que l'empereur va bien et qu'il va certainement revenir, ma reine. Mais comment peux-tu dire cela avec autant d'assurance? Parce que jusqu'à présent, mon cœur, lui, n'a pas cessé de battre, ma reine Rokaya. Parce qu'il y a encore de la vie dans mon corps jusqu'à présent. C'est comme cela que je sais que Sa Majesté va bien. Pourquoi cette colère à vous, Mali? C'est simplement parce que je t'ai abîmé le visage, n'est-ce pas? Oui, ma reine Rokaya. Le seul fait que je respire encore et que je suis toujours vivante prouve sans l'ombre d'un doute que Sa Majesté l'Empereur va bien et qu'il ne lui est rien arrivé et qu'il va certainement revenir. Non, ma reine Jota, je t'en supplie, essaie de comprendre. Tu ne sais pas comment on traite le harem d'un roi qui a été vaincu durant la guerre. Tu n'imagines vraiment pas. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas perdu et l'Empereur n'a pas capitulé. Nous appartenons tout au harem du roi. Alors fais-moi donc confiance. L'Empereur reviendra. Il doit revenir, ma reine. La nature ne laissera rien arriver à notre souverain, parce que notre amour et les meilleurs vœux de son peuple sont toujours avec lui. Et si quelque chose était arrivé, tout le ciel aurait pleuré. Si l'homme qui a changé l'histoire était devenu une partie de l'histoire, alors la nature serait déchaînée. Mets-toi à genoux, Jalal! Ou je peux t'assurer que tu perdras la vie. Ce serait vraiment mieux pour toi de me tuer, Abul Mali. Parce que si dans quelque temps je sors d'ici en vie, alors mon cher beau-frère, tes jours seront comptés. Tu es affaibli, mais tu ne capitules pas. Attends un peu pour voir ce que je ferai à ton harem. La reine Rokaya m'avait insulté l'autre fois. La reine Jota a exposé le secret de Benazir et a ruiné toutes mes stratégies. Oh non. Non, je ne vais pas les tuer. Mais je leur donnerai une vie si terrible qu'elles mourront chaque jour. Nous les violerons et les agresserons. Nous allons leur faire du mal et ensuite... nous aurons la paix, y compris pour moi. Et une leçon pour toi. Préparez-vous tous!
Nous allons attaquer le harem de Jalal.